Mais je me suis laissé engrainer par la voix qui m'encourageait d'aller voler. Bizarre de se dire qu'il y a quelques années il y avait la guerre là. C'est un peu bizarre. Et que maintenant il n'y a plus rien. Avec mes frères, on jouait à la guerre. À la guerre avec les pistolets à billes, qui fait mal d'ailleurs. Bah, moi je trouve plutôt catch avec mes frères. À un moment, j'ai tiré ici, dans ma sœur. Enfin, ouais. Parce que j'ai une sœur et j'ai tiré là. Mais heureusement, j'ai pas tiré dans l'œil. Ces personnes vont durer des trucs horribles quand même. Moi j'aimerais pas, moi je me tuerais, c'est fini. Je m'ouvrais les veines, après je vais dire je dois partir à la maison. On peut pas penser au futur sans savoir ce qui s'est passé dans les années avant quand même. Voilà, il y a eu des gens qui sont battus, il y a eu des guerres, tout ça, il faut qu'on sache. Ces hommes-là, ils ont... Je vais pas dire qu'ils étaient forcés, mais voilà, c'était... Ils devaient y aller, quoi. Moi, j'aime moins si je devais aller à la guerre. Mais... Surtout avec les chars, les bruits et tout, c'est... À peine il y a les orages, j'y perds. Je me sens seule. J'aurais fui. C'est la seule solution. De fuir. Comme les Français ont eu des migrations lors de leur guerre, je trouve ça un peu hypocrite que maintenant on interdise à ceux qui sont dans la même situation que nous il y a quelques années. On leur interdit de venir dans notre pays alors que nous on allait dans d'autres pays pour fuir la guerre. Je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Je pense qu'on devrait comprendre puisque ça nous est arrivé. Enfin, pas ma génération, les générations précédentes. Dès que l'hymne a commencé à jouer, tout le monde s'est retourné d'un coup. Ils ont commencé à chanter leur rime. Et ça, je sais pas comment expliquer ça, ça émeut parce que tout le monde, je sais pas, certains avaient la main sur le cœur, il y en a qui avaient la larme aux yeux, ça vous prend, je sais pas comment... Le fait de voir les gens pleurer, c'est... J'aime pas, je me sens mal à l'aise. Je me dis qu'ils se sont battus pour nous, en fait. Et... Je sais pas comment les remercier. Pour moi, en tout cas, on est à côté d'eux. Je sais pas, ils sont à côté de nous. Ils sont toujours là.
Je suis Naza, quoi. Ces combattants, ils se sont battus pour leur pays et ça m'a touché de voir des gens qui ont pleuré pour un membre de leur famille. Et moi, ça m'a fait quelque chose. Et par respect, ben, moi, j'ai pas marché sur leur tombe. Parce que ça allait me faire encore plus de mal. Moi, je sais que mon arrière-grand-père, il a vécu la Première Guerre mondiale, je crois. Si je ne me trompe pas. Mon arrière-grand-père, ouais, il a vécu. Je crois que c'était un tirailleur, hein. Sénégalais. C'est... Puis comme c'est une fierté quand même. Je me dis, il y a quelqu'un de ma famille, il a participé à ça quand même. C'est comme ma héros aussi. Écoutez ça. Allez, levez tous les mains. Mali, Mali, ça c'est tout chez Mali, ça là. Moi c'était Portugal. Tu Lisbonne. Vous connaissez ou pas? Bon, vas-y. Maintenant les charros, les Antillais. Un petit dédicace aux rebelles. Vas-y. Tous les Maliens ici là. Ouais, dédicace aux Maliens. Je vais dédicacer ce son à Ibrahima. Ce petit beau gosse, il est où? Il est trop beau.